Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé-Congo. Présentation, Michel Dufil-Pombe. Chers producteurs agricoles, fidèles au rendez-vous des étoiles, où que vous soyez, restez des nôtres et nous des vôtres, trois quarts d'heure durant, pour suivre avec intérêt considérable le cours de cette émission, préparée pour vous, présentée par nous, avec un réel plaisir. Cela dit, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous. Chers jeunes, filles et garçons en quête d'emploi ou diplômés chômeurs, c'est à vous que nous avons choisi de nous adresser ce soir. Veuillez donc nous prêter grande attention et intérêt considérable, car notre propos peut servir de salut à qui sait entendre raison et comprendre. L'agriculture étant un grand secteur de notre économie, c'est évident que elle pourrait offrir de larges possibilités à notre jeunesse dans le cadre de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Si vous ne considérez pas l'agriculture comme un beau métier, noble et décent, eh bien, vous avez tort. Je m'appelle Tiakakan Tissé Jeanne d'Arc. Je suis là pour vendre le poulet local qu'on appelle le poulet du village, que ce soit le poulet de la ferme. Le poulet là s'appelle le poulet de chair. Ça là, ça revient de Inda. Il y a une grande ferme à Inda qu'on est en train de produire le poulet de chair. C'est très bon à manger. C'est pas trop dur, c'est bon et là la chair. Donc c'est pour cela qu'on a choisi ça, parce que les clients aiment manger ça. Pas trop de graisse? Non, il n'y a pas la graisse, Et les clients, comment ils apprécient ça? Non, les clients, parfois on nous appelle au téléphone. Ma cliente, tu n'as pas eu de poulet de chair, tu as des poulets de chair. Quand c'est en rupture, on nous dérange vraiment. Si vous ne pouvez pas vous investir dans l'agriculture en attendant de trouver mieux ailleurs, eh bien, vous avez tort. Je suis Ronald Marius, Samgana. Secrétaire de la coopérative de Voka. C'est une ferme qui a existé bien avant. Ça fait pratiquement plus de 40 ans que cette ferme-là existe. Elle était tenue par les religieux qui habitaient la paroisse. Et quand les religieux sont partis, nous sommes les chrétiens, les jeunes de ce village. Nous avons sollicité auprès de ces religieux-là qui partaient si on pouvait exploiter le site. Donc, ils nous ont fait des papiers qui nous donnent l'autorisation de continuer cet élevage-là, de l'élevage porcin. Si vous attendez de disposer de beaucoup d'argent avant de vous impliquer dans l'action agricole, eh bien, mesdames et messieurs, vous avez tort. Je m'appelle M. Lutaladios Blaise. Je suis le président du groupement coopérative pour le développement agro-pastoral des jeunes de Boko. Nous sommes les maraîchers. On a pris l'initiative d'être en groupe, travailler ensemble, parce qu'individuellement, on produit moins. Donc il fallait se regrouper en groupe et puis s'acquérir la stature et les règlements intérieurs afin de demander ce que l'on a besoin auprès des organismes qui viennent auprès des paysans. Si vous attendez d'obtenir un doctorat avant de vous engager en agriculture, eh bien, vous avez tort. On a tendance à croire que l'agriculture ne peut être que le lieu du travail de l'agronome ou bien du zootechnicien, du vétérinaire. On simplifie et on réduit, vous voyez, les emplois à ce niveau-là. En fait, sur toute la ligne, vous avez tort parce que, voyez-vous, l'État congolais est là pour venir à tout instant en appoint aux agriculteurs. Je m'appelle M. Mienanzambi Wamba Espoir. Je suis le trésorier du groupement Tusimbana à Boko. Tout le monde connaît qu'au pôle, il y avait la pagaille. Auparavant, on travaillait.
On travaillait, mais pas comme ça. Et une fois, on avait entendu la sensibilisation du Banque mondiale et les PEDARC. Bon, nous étions aussi expérimentés. On disait que c'était des blagues, des cauchemars. On ne s'entendait pas de ça. Les autres même ont négligé. Subitement, ce qui était cauchemar, qui était venu réel. Donc aujourd'hui, là où nous voyons maintenant, c'est la réalité. Je ne peux pas vous-même dire, parce que vous êtes sur place vous-même. Vous le voyez tout. Les pratiques, l'avancement du travail, on ne faisait pas comme ça auparavant. Maintenant, il y a la grande surface qui est ici. Les choses, ça se voit à tout le monde. Là, je ne peux pas même expliquer. On a eu les subventions du PEDARC. Du PEDARC de 15 millions, je ne sais pas. Le montant m'échappe, mais 15 millions et quelques. C'est ça qui a permis de faire notre plan d'affaires. Nous sommes très heureux plutôt. Pas moi seul, mais nous tous. Nous étions déterminés. On ne s'entendait pas de ça. Maintenant, qui était venu réalité, il faut être maintenant honnête. Nous sommes déterminés parce que par rapport au montant, la subvention qu'on a eu au PEDARC, on n'a jamais eu ça une fois depuis notre vie. Donc c'est la toute première fois qu'on a eu la subvention là. Donc on ne peut pas laisser tomber cette opportunité, pas seulement comme ça, ou bien on gaspille ça seulement de n'importe quoi. Donc nous sommes déterminés, on va faire là où vous avez vu, on va faire encore plus. La prochaine fois, vous allez constater qu'il y aura la tomate, il y aura les choux, il y aura les poivrons. Et là où l'État n'intervient pas encore, eh ben, les ONG, c'est-à-dire organisations non gouvernementales et associations, en ont fait leur terrain de prédilection pour accompagner même les plus fragiles, même les plus démunis des éleveurs, tels les éleveurs domestiques, tels les éleveurs familiaux, tels les éleveurs débutants. C'est le cas de dire de la Communauté pour le développement rural, une ONG engagée dans l'action de promotion des petits éleveurs domestiques et débutants. À ce point, il est heureux de constater que dans le domaine de l'agriculture, personne n'est laissé pour compte, personne n'est laissé sur le bord de la route. Ainsi, tous les praticiens de l'agriculture se voient embarqués dans le train du progrès et du développement. Emmanuel Olingo Weye, président de la Communauté pour le développement rural, une ONG très opérationnelle depuis quelque temps au Congo et précisément à Brazzaville. Oui, c'est bien de lui qu'il s'agit aujourd'hui, maintenant et à l'instant, invité en qualité de spécialiste pour sensibiliser les jeunes devant l'intérêt majeur de leur implication dans l'action agricole afin de demeurer toujours digne de respect, digne de confiance et digne de considération aux yeux de l'observateur. Toile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout.
La communauté pour le développement rural est également une entité compétente dans le domaine de l'importation des ingrédients agricoles.
La communauté pour le développement rural a le mérite d'initier les jeunes éleveurs qui le désirent aux techniques de la fabrication de l'aliment de bétail. La communauté pour le développement rural demeure un cadre d'orientation des jeunes dans le domaine de l'apprentissage des métiers agricoles afin de les aider à demeurer des jeunes dignes, des jeunes honorables face à leur vie.
Toile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Tous les éleveurs du Congo, notamment les plus petits domestiques, fragiles, démunis, trouveront leur compte s'ils sont dans le besoin en se rendant justement à la communauté pour le développement rural.
Enfin, tous les jeunes qui ont vu ce jour sous le prétexte de ne pas s'investir dans l'agriculture, ont vu donc leur argument être battu en brèche, doivent maintenant faire une chose, une seule, celle de se rendre et ou d'aller s'insérer dans la communauté pour le développement rural. Là-bas, ils commenceront la marche vers le développement et le progrès agricole. Avant de terminer, un clin d'œil au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Nous avons cité le ministre Henri Diombo pour son implication personnelle dans l'action en vue de l'orientation des jeunes étudiants et bacheliers vers les métiers de l'agriculture. Beaucoup de jeunes sont encore accrochés à l'esprit de facilité, pour avoir l'argent qui tombe du ciel et ainsi de suite. Il faut mouiller le maillot et il faut travailler. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de tout faire pour qu'on mette en place dans le pays un système de crédit agricole de proximité. Donc proche de l'exploitant. Vous n'allez pas quitter Kakamwaka pour venir chercher un crédit à la BCI, à Brazzaville, vous ne l'aurez pas. D'ailleurs, vous ne saurez même pas où se trouve la BCI. Et vous aurez même peur d'entrer dans l'établissement. Et qui va vous ouvrir les portes? Et vous verrez qui? Et vous allez dire quoi? Rien. Alors, nous avons besoin donc de crédits de proximité qui sont actuellement en étude avec nos partenaires techniques et financiers pour que dans les plus brefs délais, nous puissions mettre à la disposition de nos agriculteurs, de nos éleveurs, de nos pêcheurs, aquaculteurs également, les conditions d'accès moins compliquées au crédit. Et puisque tout commence par le financement, on a dit oui, on peut aussi se débrouiller, j'apprécie, mais malheureusement dans beaucoup d'activités, on ne peut pas commencer les mains nues. Si on vous donne 10 mètres carrés de terre en disant, bon écoutez, faites-y un jardin, vous aurez besoin de quoi? Vous aurez besoin d'une pelle, d'une machette, d'une houe, d'une pioche, peut-être de... vous aurez besoin d'instruments à toi, d'une brouette et ensuite des semences, ensuite peut-être de la fumure. Vous pouvez la ramasser derrière la maison, vous allez prendre les immondices de la ville. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, vous aurez besoin d'un peu d'argent pour démarrer votre petit jardin. Donc, l'importance du crédit dans l'activité agricole est élevée.
Les ouvriers, à la base, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas importants. Je vous donne un exemple. Mon fils, il s'exerce dans le palmier à huile. Recherche des ouvriers qualifiés pour travailler dans l'exploitation, il n'en trouve pas. C'est paradoxal, alors qu'on parle du chômage qui est très élevé chez nous, mais on n'en trouve pas. Mais on trouve plutôt des ouvriers étrangers, vous imaginez d'où ils viennent, et c'est ceux-là qui travaillent à la plantation. Donc on investit pour payer les salaires à des étrangers et non à des Congolais. Quelques Congolais qui se sont essayés, parfois ont mis une semaine de travail et après ils ont fui. Ils ont même oublié de réclamer leur rémunération d'une semaine. Une note d'attention particulière est également accordée au ministre Bruno Jean-Richard Itoi pour son implication personnelle dans l'action de promotion de l'émission Étoile des Champs en milieu estudiantin, en milieu universitaire. C'est une émission que moi je suis beaucoup, Étoile des Champs, peut-être monsieur le ministre d'État, nous tous, moi y compris au ministère de l'Enseignement supérieur, on devrait prendre le relais. Avec 5 ou 6 chaînes de valeur, nous pouvons complètement changer la physionomie de l'emploi au Congo. Et donc, il ne faut pas que les jeunes pensent que l'agriculture, c'est se mettre au soleil, c'est la pelle. Oui, il faut ça aussi, encore qu'on va moderniser, mécaniser, ainsi de suite. Mais il y a tout le reste. Il faut des gens pour transporter, il faut des gens pour stocker, il faut des gens pour fournir l'emballage, il faut des gens pour faire la promotion. Je vais terminer par une histoire qui m'a beaucoup plu. Je suivais Étoiles et Champs et j'ai vu dans la Bouenza ou dans le Niari, je ne me souviens plus bien, des jeunes qui ont été interviewés. Tout ce qu'ils ont comme activité, ils vont dans les villages, ils vont récupérer les produits agricoles, y compris les produits de la pêche, ils les ramènent dans les grands centres et ils les vendent. Et ils disaient, nous gagnons très bien notre vie. Donc ils ne sont pas au soleil, ceux-là. Ils ne sont pas, ils ne bêchent pas, ils n'ont pas la pelle, ils se sont spécialisés dans le négoce agricole. Ils vont chercher les produits qui parfois traînent là-bas, les paysans ne savent pas comment accéder au marché. Eux, ils ont choisi d'être des intermédiaires. Ils vont chez les paysans, ils prennent les produits, ils les ramènent, ils les vendent sur les marchés. Et je vous dis, je l'ai écouté, ils gagnent très bien leur vie. Voilà donc qui est bien dit et bien fait au bénéfice des jeunes Congolais en quête d'emploi. Eh bien, il n'y a pas de sous-métier. L'agriculture est là pour intéresser tout le monde, sans négliger personne, sans mépriser personne. Voilà. Étoile des Champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des Champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Nos remerciements aussi à Emmanuel Olingo Weye, notre cher invité, qui a su être à la hauteur du diapason pour pouvoir sensibiliser et frapper en plein cœur les jeunes afin qu'ils n'hésitent plus de s'investir dans les métiers agricoles. Et à la très prochaine occasion, chers téléspectateurs, et toi, des champs, signe des temps, la planète des éleveurs et agriculteurs congolais. Ciao! Et toi, des champs! C'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des Champs, une production de Télé-Congo. Présentation, Michel Dufil-Pombe.